لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله نبدأ درس اليوم، وعندنا إن شاء الله موضوع للكتابة. Donc une activité de production écrite. Le sujet que j'ai proposé il y a de là une semaine ou plus, je pense qu'il y a 2 semaines. C'était le même sujet, donc Antigone et Ismène sont loin de partager les mêmes traits de caractère. Pourtant, toutes les deux suscitent une grande admiration, laquelle semble mériter votre sympathie. Alors, Aoulem, et après, nous allons commencer la rédaction. Alors, le sujet porte sur les deux sœurs, Antigone et Ismène. Alors, nous avons étudié la scène d'Antigone avec Ismène et nous avons fait la comparaison entre les deux sœurs. Nous avons remarqué que toutes les deux avaient des traits de caractère différents. Donc, c'est ce qui veut dire sont loin de partager les mêmes traits de caractère. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes traits de caractère, qu'elles sont tout à fait différentes l'une de l'autre. Mais, pourtant, toutes les deux suscitent une grande admiration. C'est-à-dire que Antigone, elle pousse les gens à l'admirer et aussi Ismène pousse les gens à l'admirer. Donc toutes les deux, elles provoquent une grande admiration chez les lecteurs. Alors maintenant la question, laquelle semble mériter votre sympathie? Donc, laquelle semble mériter votre sympathie? Yani, Anna, men fihum, mérite votre sympathie, yani, ça, تستحق, yani, تعاطفك معها ومحبتك. إذن قلنا الأختين أنتيغون وإسمان، هل الصوت مسموع أم لا؟ نعم، إذن قلنا الأختين أنتيغون وإسمان بعيدات كل البعد على أن يتقاسم نفس خطوط الشخصية لكل منهما. كل واحدة مختلفة عن الأخرى، لكن الاثنين يعني تدفع القارئ لكي يعجب بشخصيتهما. إذن من فيهما تستحق إعجابك؟ هذا هو الموضوع. إذن كيف سنعمل؟ أو كيف سنقوم بتحليل هذا الموضوع؟ أتوجه إلى الحاضرين، أتمنى أن تجيبوني على سؤالي. لكي نقوم بتحليل الموضوع، ماذا يجب أن نفعل؟ تصوروا أنكم مثلا عندكم هذا الموضوع في امتحان البكالوريا
وكيف ستجيبون؟ أولا نقوم باستخراج الكلمات الأساسية. On va souligner les mots-clés. Et après, on va faire une recherche des idées. C'est vrai. Alors, quels sont les mots-clés dans ce sujet? Quels sont les mots-clés dans ce sujet? J'attends vos réponses. J'aimerais la participation de tout le monde. Alors, quels sont les mots-clés dans ce sujet? لا أريد أن أعطي الجواب بسرعة، أريد أن يتم المشاركة. نعم، إذن أول كلمة مفتاح في هذا الموضوع هي كلمة انتقام وكلمة اسمان، فالشخصيتين لابد من أن نسيطر عليهما انتقام واسمان، لأن هذا هو موضوع الإنشاء. ثم بعدها هناك les traits de caractère. Les traits de caractère يعني صفات الشخصية وصفات طباع كل واحدة منهما. ثم بعد ذلك نقوم بتحديد من مفضل من الأختين على غرار التحليل الذي سنقوم به فيما يخص شخصيات كل واحدة منهما. يعني أن الموضوع أولا سيتطلب مقارنة بين الأختين في فيزيك اي مورال، يعني من ناحية المادية ثم من ناحية المعنوية، وبعد ذلك نقوم بتحديد من نختار من الأختين حسب ما قمنا بتقديمه من تحليل لكل شخصية على حدة. إذن أولا نقوم بجمع أفكار تخص كل واحدة، ثم نقوم بكتابة الموضوع. أولا نبدأ بشخصية أنتيكون. ما هي مميزات هذه الشخصية؟ Quels sont les traits de caractère d'Anticon التي درسناها في النص de lecture, dans le texte de lecture, la scène entre Anticon et Ismen, et aussi ce qu'on a étudié lorsque nous avons étudié la première scène, c'est-à-dire le prologue. Alors Anticon, comment elle est? Commençons par le physique. Le physique d'Anticon. Oui, alors physiquement, elle est noiraude. Oui, donc Anticon. Noiraude.
Ça, c'est le physique. Comment elle est aussi physiquement? Comment elle est physiquement? Donc, elle est noire. D'accord. Comment elle est aussi? Donc, renfermée, ça, c'est le côté moral. طبعا هو الموضوع له علاقة بالقصة، لأن لو لا إذا لم نكون قد درسنا الشخصيتين في القصة، لا يمكن أن نجيب على السؤال، لأن يجب أن نعرف جيدا من هي أنتيغون ومن هي إسمان حتى يمكننا اختيار واحدة منهما. لكن المشكلة أني أرى أن الحاضرين لا يجيبون، لأن ربما لم ينتبهوا أو لم يحضروا ما قمنا بتحليله في درس الليكتور. Oui, donc quand elle prend une décision, elle l'a fait et personne ne peut l'interdire. Donc ici, on peut dire qu'elle est entêtée et qu'elle est donc elle prend une décision sans revenir en arrière. Oui. Donc mais moi, je voudrais que vous me donniez les traits de caractère. Oui. Non, non, non. مثلا من اختيار أسنان بحكم جمالها وانطباعها الاجتماعي يكون ليس خاطئ، ليس خاطئ، ليس خاطئ. هناك من يفضل هذه الشخصية. ألا قلنا من ناحية الفيزيك دونك إلين واغود ريد كذلك من ناحية الفيزيك أنتيغون أون دي كيليتي ميغر. Était petite de taille. Elle était comment aussi? Mal peignée. Mal peignée, ça veut dire qu'elle a شعرها غير لا تمشي شعرها دائما أو لا تمشيته جيدا. مال بنيه مال كوافي. كذلك قلنا عليها أنها elle porte toujours la même robe. Elle porte toujours la même robe. Elle n'est pas coquette. كوكيت يعني لا تهتم بجمالها. نبا كوكيت. إذن هذه من ناحية الفيزيك، يعني من ناحية الجسدية. لو فيزيك دو أنتيغون. نواغود، ميغر، بتيت، مال بينيي. إل بورت توجور لا ميم روب. إل ني با كوكيت. الآن من الناحية المعنوية donc le côté moral on a dit qu'elle était renfermée يعني منطوية على نفسها mais elle est aussi entêtée يعني عنيدة entêtée elle a une forte personnalité. Quand elle prend une décision et ne revient pas en arrière,
يعني انها اعتذر elle a aussi donc une donc elle est décidée c'est-à-dire quand elle décide quelque chose elle ne revient pas en arrière donc elle est décidée elle a le sens du devoir يعني عندها مفهوم الواجب تعرف ما هو الواجب نعم et nous avons dit aussi elle est courageuse لأنها تواجه الموت وهي تقوم ب تعرف جيدا أنها لو قامت بعملها الممنوع فإنها ستواجه pardon إنها ستواجه الموت donc elle est courageuse pardon Aïcha me dit de quelle histoire vous parlez, madame. Eh bien, je parle d'Antigone, mademoiselle Aïcha. Nam, elle a aussi le sens de la responsabilité. Oui, elle est solidaire. Donc, elle est solidaire. Elle a le sens de la responsabilité. De la responsabilité. معنى أنها عندها مفهوم المسؤولية et elle se caractérise par son sérieux. Elle est très sérieuse. Elle se caractérise par son sérieux. Voilà ce qu'on peut dire sur la personnalité d'Antigone. Donc, le hada, yani Antigone. Al-an, na'khud shakhsiyat Ismen, la sœur d'Antigone, Ismen, wa nara mada yumayiz hadihi ash-shakhsiya. Pardon. Alors, Ismen, mina nahia al-jasadiya, yani physiquement, elle est blonde. Elle est belle. Pardon. Et donc, elle est blonde, oui. Elle est belle aussi. Il est aussi... Elle a de jolis cheveux. Hein? Elle a de jolis cheveux.
elle s'habille bien. C'est le contraire de d'Anticone. Donc, elle a de jolis vêtements aussi. Elle a de belles robes. Etc. Et du côté moral, Ismène est portée vers le bonheur. Elle est portée vers le bonheur. Oui, elle est heureuse. Oui, elle est toujours heureuse. Oui, elle n'est pas, oui, elle n'est pas capable comme sa sœur. Donc, je vais voir aussi. Donc, elle n'est pas courageuse. Elle n'est pas courageuse. Elle n'est pas courageuse. N'est pas capable comme sa sœur. Ça veut dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas aussi forte que sa sœur. Elle a le goût de la joie, de la danse, des jeux. Elle aime vivre. Elle a la joie de voir. Elle a la joie de vivre. De vivre. Donc elle danse, elle aime les jeux, elle aime la danse. Elle aime les jeux. Aussi, elle aime tous les plaisirs de la vie, mais elle est pondérée. Pondérée, ça veut dire qu'elle réfléchit bien avant d'agir. Elle réfléchit bien avant d'agir. Ce n'est pas comme Anticone qui prend... Oui, il a le goût de réussite, sa sensualité aussi, oui. Elle réfléchit bien avant d'agir. Et elle est pondérée. Pondérée, ça veut dire qu'elle est raisonnable. Pondérée. Dire raisonnable. Réfléchis avant d'agir. Bien, alors voilà les traits de caractère de chacune des deux sœurs. Alors, Anticone, elle est noiraude, maigre, petite, mal peignée. Elle porte toujours la même robe, elle n'est pas coquette. Ismène, au contraire, elle est blonde, elle est belle, elle a de jolis cheveux, elle a de belles robes. Elle s'intéresse à son physique. Et moralement, Anticone, elle est renfermée, elle est entêtée, mais elle a une forte personnalité, elle est décidée. Elle a le sens du devoir
Elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle est solidaire. Elle a le sens de la responsabilité aussi. Et elle se caractérise par son sérieux. Alors, en ce qui concerne les traits moraux de Isnen, elle est portée vers le bonheur. Elle n'est pas courageuse, c'est vrai, mais elle aime vivre. Elle a la joie de vivre. Elle aime la danse, les jeux et tous les plaisirs de la vie. Elle réfléchit bien avant d'agir. Elle est pondérée. Elle est raisonnable. Elle est conformiste, ça veut dire elle ne va pas contre la loi, hein. Elle est conformiste. Le contraire d'Antigone, Antigone, elle est anticonformiste, ça veut dire elle est contre la loi. Elle va contre la volonté de son oncle, tandis que Ismène, au contraire, elle garde l'idée, enfin, elle respecte la volonté de son oncle, elle respecte la loi de son oncle, tandis que Antigone, elle ne respecte pas la loi. Pas la loi du roi. Voilà. Donc, cela suffit. Et nous allons donc commencer l'étude, enfin, la rédaction par la rédaction de l'introduction. Alors, dans l'introduction, nous allons d'abord présenter d'une manière générale le sujet, puis nous allons écrire, enfin, poser la problématique et présenter le plan. Alors, on va commencer la rédaction de l'introduction. Qui est-ce qui commence par me donner la première, enfin la présentation générale du sujet? Alors, à vous de rédiger le texte. J'attends vos rédactions. Allez-y. J'attends le début. Ah, ce sujet est difficile. Et pourtant, tous les éléments, nous les avons déjà vus, hein. هذا موضوع عنده علاقة مباشرة مع المسرحية، يعني هنا دراسة للشخصيتين أنتيغون وإسمين. إذن نبدأ بتقديم العام للموضوع. التقديم يمكن أن يكون بتقديم الشخصيتين أنتيغون وإسمين والعلاقة بينهما. ممكن أن نقول مثلاً أنتيغون وإسمين sont deux personnages de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Ça, c'est une présentation générale. Ou bien je peux dire Antigone et Ismène sont deux sœurs. Elles appartiennent ou bien ce sont des personnages de la pièce de théâtre ou de la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Voilà une présentation générale. Et on présente après le sujet. Antigone et Ismène sont loin de partager les mêmes traits de caractère. Pourtant, toutes les deux suscitent une grande admiration. Ainsi, nous allons voir d'abord le personnage d'Antigone et ses traits de caractère. Puis, dans un second lieu, nous allons étudier les traits de caractère de Ismène pour pouvoir exprimer notre choix. Voilà. Donc ça, c'est une manière de rédiger cette introduction.
Voilà, c'est bien Edith Cushing, c'est bien Hajar. Antigone et Ismène sont deux sœurs qui ont des traits physiques et moraux contradictoires. C'est bien, c'est très bien. Oui, alors, je vais prendre cela. Je vais essayer de copier votre texte pour pouvoir le mettre comme introduction. C'est difficile. نعم نطلب أن الكل يحاول يكتب مقدمة ورغم الأخطاء مش مشكلة المهم نحن نتعلم ونصحح هذه الأخطاء. Antigone et Ismène sont deux sœurs qui ont des traits physiques et moraux contradictoires. Oui, on peut écrire ça. Antigone et Ismène sont deux sœurs Antigone et Ismène sont deux sœurs Alors, qui sont, avant de dire qui ont des traits de caractère différents, je dirais qui sont des personnages de la pièce. Ça, c'est une présentation générale de théâtre. Antigone de Jean Anouilh. Elles ont des traits de caractère, ou bien des traits physiques et moraux, pour reprendre ce qu'a écrit Hajar. Elles ont, donc elles, majuscules, moraux. Tout à fait. Contradictoire. Pourtant, elle suscite toutes les deux. Les deux, l'admiration des lecteurs. Alors, dans un premier lieu, nous allons étudier les traits de caractère d'Antigone
Dans un second lieu, nous allons analyser celui, non, ceux de, pas celui, mais ceux même. Avant. D'exprimer notre choix voilà. Donc voici une introduction possible parce que là on peut écrire d'autres introductions, ça c'est un exemple. Premièrement, donc Antigone et Ismène sont deux sœurs qui sont des personnages de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Elles ont des traits physiques et moraux tout à fait contradictoires. Pourtant, elles suscitent toutes les deux l'admiration des lecteurs. Dans un premier lieu, nous allons étudier les traits de caractère d'Antigone. Dans un second lieu, nous allons analyser ceux d'Ismène avant d'exprimer notre choix. Voilà donc une introduction possible. Maintenant, nous allons commencer par le personnage d'Antigone et la présentation et l'analyse de ce trait de caractère. Allez, j'attends. L'écriture de la première partie, voilà les idées, voilà, je vous présente enfin ce qu'on a relevé sur le personnage d'Antigone. Elle est noiraude, maigre, petite, mal peignée, elle porte toujours la même robe, elle n'est pas coquette. Et moralement, donc elle est renfermée, entêtée. Mais elle a une forte personnalité, elle est décidée, elle a le sens du devoir, elle est courageuse, elle est solidaire, elle a le sens de la responsabilité, elle se caractérise par son sérieux, même si elle ne respecte pas la loi du roi. Alors, j'attends que vous écriviez un paragraphe qui nous présente Antigone physiquement et moralement. Allez-y. J'aimerais que vous participiez à la rédaction. Vas-y Hajar, vas-y Motia, Sarah, Samir, Amjad aussi. Alors, tous ceux qui sont présents doivent écrire. Il y a aussi Ashraf. Essayez d'écrire. Laisse كل الحاضرين يحاولوا يكتبوا ولو فقرة صغيرة. ليس فقط هجر متيا وسي سارة أشرف أمجد وسمير. نعم أمجد أيضا مطلوب منه كتابة الموضوع. إذا أنتظر إن شاء الله خير. Alors, Antigone est une fille petite, c'est la cadette de sa famille. Physiquement, elle est noiraude, maigre. En outre, elle est mal peignée et pas coquette, mais moralement, elle est très courageuse d'affronter les problèmes, mais elle est renfermée surtout à une très forte personnalité. C'est très bien, Hajar, c'est bien. Oui.
Alors, on attend que les autres aussi écrivent. On attend. C'est vrai, donc Antigone, en effet, Antigone est la cadette de sa famille. Elle est petite de taille, maigre, noiraude, toujours mal peignée, et elle porte toujours la même robe, et elle est mal peignée. Elle n'est pas coquette du tout. Mais, moralement, elle est très courageuse, même si elle est renfermée, entêtée. Elle a une forte personnalité. Elle est décidée. Elle a le sens du devoir, de la responsabilité. Elle se caractérise par son sérieux et elle ne respecte pas, même si elle ne respecte pas la loi du roi. Bon, c'est un bon travail, c'est vrai, Ajab. Et donc, premièrement, Antigone est physiquement noiraude, maigre, de taille petite. Elle est mal peignée. Bref, elle n'est pas coquette. C'est bien, Sarah. C'est bien. Normalement. Normalement. Antigone, c'est le titre de la pièce de théâtre de Jean Anouilh. C'est un nom, hein, c'est un nom, et en même temps, donc un titre de pièce de théâtre. Ismène, donc c'est un autre nom. Pas de quoi, Hajar. Bien, alors on attend toujours la participation de Moutia, la participation de Amjad aussi, et de Ashraf. Ils écrivent eux aussi le texte. Donc il y a d'autres personnes présentes. Il y a Timur, il y a Oussama. J'aimerais qu'ils écrivent eux aussi le texte. Alors, sinon, on va commencer la rédaction de la première partie. Donc, en effet, il faut toujours commencer par un mot de liaison pour relier entre l'introduction et la première partie. Donc, puisqu'on va expliquer ce que nous avons présenté comme plan dans l'introduction, nous devons commencer par en effet. En effet, Antigone, et la cadette de sa famille, comme a écrit Hajar. En effet, Antigone est la cadette de sa famille. Physiquement, elle est noiraude. On peut dire qu'elle est petite de taille. Petite de taille. La plume. Noiraude. Maigre. La pulpe, noiraude et elle porte toujours la même
Rob. Elle est mal peignée. Bref, comme a écrit Sarah, bref, elle n'est pas coquette du tout. Cependant, moralement, elle est nous avons dit qu'elle est on va revenir pour voir. On dit qu'elle est renfermée. Enfermée, entêtée. Alors, cependant, moralement, elle est elle a une forte personnalité. Elle a une forte personnalité, même si elle est renfermée, renfermée et entêtée. Qu'est-ce que nous avons dit aussi? Ainsi, elle est décidée à aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut réaliser. Ainsi, elle est décidée à aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. Car elle a le sens de la responsabilité et du devoir. Car elle a le sens de la responsabilité et du devoir. Ce qu'on a dit aussi à propos de l'Anticone, elle se caractérise par son sérieux, même si elle ne respecte pas. Donc, elle se caractérise par son sérieux et son courage, malgré ou même si elle ne respecte pas la loi du roi. Non, non, Dieu roi. Non, qui lui interdit d'enterrer son fils. Voilà, donc ça c'est la personnalité d'Anticon.
On va voir maintenant Ismène. Par contre, alors on va écrire maintenant la deuxième partie. Allez, je vous demande d'écrire. Par contre, Ismène, continuez. J'attends la suite. Allez-y, voilà le trait de caractère d'Ismène. Donc, elle est blonde, belle, elle a de jolis cheveux, elle a de belles robes, mais elle est portée vers le bonheur, elle n'est pas courageuse, elle aime vivre, elle a la joie de vivre, elle aime la danse, les jeux, elle réfléchit bien avant d'agir. Les pondérés raisonnables, elle respecte la loi de son oncle. J'attends. Alors, j'attends que vous m'écriviez la deuxième partie. L'analyse du personnage Disney. يلا يا نوتيا يا سارة ويا هاجر يا أمجد يا سمير يا أشرف جيتون فوتر تكست. Je vois que Hajar est en train d'écrire, mais les autres, ils n'écrivent pas. Encore un petit peu pour obtenir le texte. Enfin, le deuxième paragraphe. Deuxième partie. La rédaction est très importante parce que elle constitue la moitié de la note à l'examen. Donc, vous devez vous entraîner à rédiger. Alors, c'est bien un genre, je vois. Donc, Ismène est très belle comme la rose et blonde. Ses cheveux sont lisses et quand elle porte les robes, devient plus éblouissante. Ça du côté physique et pour le côté moral, elle aime vivre pour profiter de la vie, jouer, danser. Les pondéreux respectent la loi du roi. C'est très bien, Jean. C'est très bien. C'est bien. Oui, alors, j'attends Sarah aussi. Je vois qu'elle est en train d'écrire. J'attends pour voir ce qu'elle a écrit. C'est bon. Et j'aurais aimé que Moutia aussi participe. Alors, encore un petit moment pour voir ce que Sarah nous écrit. Alors voilà Ismène, l'aînée, elle est blonde, belle et elle porte de belles robes. Moralement, elle n'est pas courageuse, mais elle est plus pondérée, elle réfléchit avant d'agir, elle est raisonnable, elle respecte la loi de son oncle, elle aime vivre, elle aime les plaisirs de la vie comme la danse, les jeux, etc. C'est bien, Ajar, et c'est bien, Sarah. Vous avez toutes les deux bien écrit ici. Alors, par contre, Ismène, alors je vais essayer, et l'aîné.
destinée de la famille. Elle est blonde. On peut dire qu'elle a de jolis cheveux blonds. Elle a de jolis cheveux lisses et blancs, comme écrit blond. Elle est belle et porte de belles robes. Donc, elle est belle et rose. Elle porte aussi de belles robes. Moralement, elle n'est pas courageuse. Mais elle est plus pondérée. Est raisonnable. Car elle réfléchit bien avant d'agir. C'est pourquoi elle respecte la loi de son oncle et refuse d'enterrer son frère avec Antigone. Elle aime la vie. Et ses plaisirs. Comme la danse et les jeux. Voilà. Donc, on a tout dit. Bien. Alors, on va lire. Par contre, Ismène, elle est née de la famille. Elle a de jolis cheveux lisses et blonds. Elle est belle et rose. Elle porte aussi de belles robes. Moralement, elle n'est pas courageuse, mais elle est plus pondérée et raisonnable, car elle réfléchit bien avant d'agir. C'est pourquoi elle respecte la loi de son oncle et refuse d'enterrer son frère avec Antigone. Elle aime la vie et ses plaisirs comme la danse et les jeux. Voilà donc le personnage de Disney. Maintenant, on va terminer. Finalement, bien sûr, c'est la conclusion. Finalement, nous avons vu les traits de caractère
contradictoire. Des deux sœurs et personnellement, bon, personnellement, je préfère. Alors là, chacun va exprimer son choix. Soit vous préférez Antigone, soit vous préférez Isnène, selon ce que vous aimez dans sa personnalité. Alors, personnellement, je préfère. Alors, laquelle vous préférez? Antigone ou Isnène? Oui, j'attends vos réponses. On va faire un vote pour choisir. Alors, laquelle vous préférez, Antigone ou Isnène? Sarah préfère Antigone. Alors, et les autres, vous préférez qui? Ajar, qu'est-ce que tu préfères? Amjad, Samir, Mathias, Ashraf, vous préférez qui? Alors, Sarah déjà a précisé son choix. Amjad, préférez qui? Alors, Ajar, je préfère Antigone car sa force nous donne un message pour continuer jusqu'au bout. La beauté ne compte pas, comme on dit, la beauté attache le regard, mais une bonne personnalité attache le cœur. C'est très bien, Ajar. Oui, c'est ça. Donc, personnellement, je préfère Antigone. Car sa force mérite ma sympathie. Et comme on dit, le point, la beauté attache le regard, mais une bonne personnalité attache
tâche le cœur. Oui, c'est très bien, mon cher. Voilà. Donc, c'est notre sujet est terminé. Voilà, on a terminé notre rédaction. Je vais la lire. Antigone et Ismène sont deux sœurs qui sont des personnages de la pièce de théâtre. Je relis. Antigone et Ismène sont deux sœurs qui sont des personnages de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Elles ont des traits physiques et moraux tout à fait contradictoires. Pourtant, elles suscitent toutes les deux l'admiration des lecteurs. Dans un premier lieu, nous allons étudier les traits de caractère d'Antigone. Dans un second lieu, nous allons analyser ceux d'Ismène avant d'exprimer notre choix. En effet, Antigone est la cadette de sa famille. Physiquement, elle est petite de taille, maigre, noiraude, et elle porte toujours la même robe. Elle est mal peignée. Alors, là, il faut ajouter... Donc, elle est mal peignée, il faut ajouter un E ici. Bref, elle n'est pas coquette du tout. Cependant, moralement, elle a une forte personnalité, même si elle est enfermée et entêtée. Ainsi, elle est décidée à aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire, car elle a le sens de la responsabilité et du devoir. Elle se caractérise par son sérieux et son courage, même si elle ne respecte pas la loi du roi qui lui interdit d'enterrer son frère. Par contre, Ismène est l'aînée de la famille. Elle a de jolis cheveux lisses et blonds. Elle est belle et rose. Elle porte aussi de belles robes. Moralement, elle n'est pas courageuse, mais elle est plus pondérée et raisonnable, car elle réfléchit bien avant d'agir. C'est pourquoi elle respecte la loi de son oncle et refuse d'enterrer son frère avec Antigone. Elle aime la vie et ses plaisirs comme la danse et les jeux. Finalement, nous avons vu le trait de caractère contradictoire des deux sœurs et personnellement, je préfère Antigone car sa force mérite ma sympathie. Comme on dit, la beauté attache le regard, mais une bonne personnalité attache le cœur. Alors c'est bien. Je vois que nous avons obtenu finalement le texte que nous voulons. Avant de vous dire au revoir, si vous avez une question, allez-y. Et j'attends toujours le texte de Amjad. دقائق encore يا أمجد. يلا ننتظر. على الله يكون un bon texte. تشيت يعني تتطلب أو تجذب notre admiration. نعم سأتحمل يا أمجد. أتمنى أن تكتب فقط هذا هو الأهم. يعني تحاول أن تكتب.
انتظر نص أمجد، إذا كان هناك سؤال من طرف الباقي، يعني شهوانيتها وجانبها الذي يميل إلى لذات الحياة وجمالها. Alors, les deux personnalités étudiées devant nous, à savoir Antigone et Ismène, sont deux personnages principaux de la pièce théâtrale Antigone et qui sont aussi contradictoires au niveau mental, physique et psychique. Au niveau de la physique, Antigone est maigre et noirâtre, alors que Ismène est belle. Oh, ça va, c'est très bien. C'est bien, Amjet. Même s'il y a de petites fautes, mais c'est très bien. Là, ma chère, je suis Rabzaf. Rabzaf, c'est bien. On a des délits là, même si tu es français, c'est maman. La même situation. Je vois la même situation. Oui. Et d'accord. Madalik, tu as bien écrit. Hein? Madalik, peut-être que j'ai eu un masse jamil. Ou nara anna andak l'ora. Ou fiqh barakallah. إذن أشكرك يا أمجد وأشكر الجميع على حضورهم وعلى تتبعهم للدرس. Je vous remercie donc pour votre attention et pour votre participation. J'aurais aimé Ashraf que tu participes aussi. Ashraf, كنت أنتظر أن تساهم أنت أيضا بكتابة ولو جمل بسيطة. لأن أنا أعرف أنك متبوع بالامتحان هذه السنة، فلابد أن تشارك يا أشرف ولو بجملة أو جملتين لكي تتمرن على الكتابة. إذن أشكركم جميعا وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع المقبل. Bonsoir à tous.